Alors bonjour Romain Pillard. Bonjour Eric. Je te remercie de m'accueillir à ta table. C'est moi qui te remercie. Table d'écrivain, je vais te laisser présenter ton livre qui est un recueil de poésie qui s'intitule « L'impossibilité d'une aile ». Donc je te laisse la parole. Ce recueil, en quelques mots, c'est un regroupement donc de textes, puisque recueil désigne exactement ça. Recueil de 22 textes, précisément, qui ont donc été écrits entre 2001 pour le plus ancien, entre donc 2001 et 2013 pour les plus récents. Donc des textes pour certains en prose, pour d'autres en format classique, donc décasyllabes, octosyllabes, alexandrins, format 4-1, sonnet, enfin ça parlera aux puristes. Hein. Et puis d'autres textes plus prosés, même si c'est de la prose déguisée a priori, parce que c'est quand même rythmé. Et voilà, donc on parle d'amour, on parle de sexe, on parle de pulsion globalement, parce qu'on parle de suicide aussi. Enfin, on évoque l'idée du suicide sans forcément parler de ça dans le terme. Et voilà, beaucoup de passion à l'intérieur. Et voilà, je pense que c'est de la poésie, donc ça mérite au moins qu'on prenne le temps de parcourir une fois. Après, on n'accroche pas, et bien ma foi, on laisse le recueil de côté, mais, mettre le nez dedans, quoi. Oui, parce que tu m'as fait lire quelques-uns de tes textes, et comme je te l'ai dit avant l'interview, c'est vrai que ça demande à être relu, à être compris. Ouais, moi alors c'est ma perception de la poésie, c'est peut-être pour certains ça paraîtra faux, parce que il y a des auteurs qui à la première lecture sont totalement limpides, mais pour autant même Lamartine ou Prévert ou des auteurs qui sont étudiés très jeunes, La Fontaine ou ce genre de choses, ce sont des auteurs qui dans leur texte à mon sens demandent à ce qu'on revisite le texte plusieurs fois par la lecture pour arriver à sortir toutes les clés de lecture de leur texte. Donc moi, quand j'écris, j'essaye, ou en tout cas, le résultat s'avère être de telle forme qu'effectivement, a priori, j'ai tendance à penser qu'il faut relire plusieurs fois les textes que j'ai écrits pour non pas comprendre le sens général de chacun des textes, mais peut-être pour avoir, encore une fois, on parle de clés de lecture, mais avoir un petit peu toutes les clés qui permettent de comprendre entre les jeux de mots, les clins d'œil, les références, etc. Effectivement, il faut se plonger plusieurs fois dans les textes pour tout décrypter. Mais à mon sens, c'est aussi presque un critère de valeur. Hein. Moi, il n'était pas question dans ce recueil que je mette un texte que je considérais comme faible, et j'ai tendance à considérer un texte un peu pauvre si à la première lecture on cerne absolument tout. Mais c'est un point de vue un peu personnel. Hein. Par ailleurs, j'imagine qu'on trouvera des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis là, mais étant donné que c'est moi l'auteur, c'est moi qui dis. C'est moi qui fais, c'est moi qui dis. Voilà. Effectivement, donc ton livre, on peut se le procurer où ? Alors, il est achetable par le biais d'Internet chez l'éditeur qui s'appelle The Book Edition, donc thebookedition.com. C'est un site sur lequel vous aurez un moteur de recherche et vous pourrez rechercher donc l'œuvre soit par le titre, soit par le nom de l'auteur. Ou alors, vous pouvez avoir la chance, le privilège et le grand plaisir de me connaître personnellement, et auquel cas, effectivement, moi j'ai toujours un exemplaire ou deux sur moi parce que je ne suis pas distribué. Donc, le mieux, c'est d'avoir toujours à portée de main un exemplaire pour au coin d'un café, d'une verveine ou d'un génépi ou d'une chartreuse, et ben, pouvoir en lire un petit passage et puis le céder, le vendre, voire le dédicacer si la demande est faite à une personne croisée comme ça au détour d'une soirée. Donc tu es originaire de l'Isère ? Ouais, moi je suis né à Châtes. Pardon, non, pas vraiment, il n'y a pas d'hôpital à Châtes. Je suis né à Saint-Marcellin, mais j'ai été élevé à Châtes. Et puis j'ai fait ma scolarité sur Saint-Marcellin, puis Romans pour mon baccalauréat. Ensuite Grenoble, enfin le cursus habituel, et voilà. Alors ce que je te propose, Romain, effectivement, dans le cadre de ta... parce qu'on ne s'est pas étendu sur ton parcours de vie, ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je te proposerai une interview un peu plus complète, de façon à mieux te connaître, parce que je pense qu'il y a des choses à voir. Ouais, sur le parcours, effectivement, c'est vrai que j'ai pas fait une ligne droite ou un ovale, simplement, j'ai fait pas mal de petits détours à droite à gauche. Ouais. C'est ce qui est intéressant, c'est ce parcours de vie. Ouais. Bah, écoute, Romain, je te remercie beaucoup. Ah bah, c'est moi. De ton temps, et puis de toute manière, on va se rencontrer de nouveau. Avec grand plaisir. Pour une vraie interview, on va dire, beaucoup plus prolongée. Avec plaisir. Merci, Romain. Merci à toi.
Bonjour André Laforêt. Bonjour Eric. Merci de m'accueillir sur votre stand. Vous êtes écrivain. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos livres ? J'écris sur mes livres. Oui. Ils sont tous là. Mes livres, bon, enfin. En général, ce sont. J'ai commencé par des nouvelles issues de mon métier de médecin rural. C'est des histoires vraies, cocasses. Ensuite, j'ai continué sur des nouvelles qui sont basées sur des faits vécus qui ont été romancés, bien entendu. Et ensuite, bien, j'ai commencé à faire des romans sociologiques plutôt, l'un qui relate la vie des début du XXe siècle, la vie de ces jeunes paysans des hauts plateaux ardéchois ou lozériens qui venaient en ville pour travailler en usine, croyant toucher le paradis, et puis finalement tombe dans la débine la plus complète, la boisson en particulier. Donc, et un autre c'est qui relate les vies des jeunes institutrices de la même époque qui étaient des suffragettes et que l'on nommait dans des coins perdus pour les mater. Voilà, tout ça c'est des faits historiques mais romancés. Voilà. D'accord, tout à fait. Et ensuite j'ai terminé par un pamphlet qui est un petit peu une charge contre la dite bonne société de la fin du 18e siècle, de la fin du 19e siècle. Donc voilà. Et maintenant, après, bon, j'ai édité deux, trois recueils de poèmes. Et j'en ai un autre, j'ai encore un roman qui va sortir d'ici le début de l'année 2014, qui m'était inspiré par la littérature de Boris Vian. J'ai voulu un peu calquer Boris Vian, faire un roman, disons le mot, déjanté complètement. Voilà. D'accord. Vous savez tout. Je sais tout, donc c'est parfait. Alors la seule chose que je ne sais pas, c'est est-ce qu'on peut se procurer ces livres sur Internet ? Oui, les deux livres qui sont édités par Eddy Livre sont sur Internet. Amazon, Furet, la Grande Librairie. Voilà, par la Grande Librairie, je ne sais plus quoi. Enfin, on peut les trouver sur ces. Là. Voilà. Les autres, bien, ils sont chez moi. D'accord. Il y en a quelques-uns aussi, il y en a quelques-uns dans l'Intermarché à Royan, mais pas dans l'Isère. Voilà. D'accord, donc ces livres à se procurer dans la région. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, effectivement, vous avez un livre en gestation. Non, il est fini. Voilà, il est fini, d'accord. Il va être édité. Effectivement, il va être édité. La correction, ah, oui, en ce moment. C'est la celui-là, correction. Oui, c'est effectivement. Voilà. Je refais le lien avec notre précédente discussion. C'est ça, oui. Écoutez, je tiens à vous remercier de votre accueil. C'est un plaisir pour moi, monsieur Eric. Je vous en prie, monsieur André. Bon, donc, que de civilité. Voilà, on est certes, entre gens bien. Tout à fait, civilisé. Je voudrais quand même dire un petit mot, c'est quand même gentil de la part des organisateurs d'Amadeus de m'avoir demandé d'exposer mes œuvres. Tout à fait. Voilà. Je les remercie infiniment, c'est très gentil. Voilà. C'est très gentil, ben on les remercie pour voilà. Leur action. Merci beaucoup André. Bonjour Thérèse. Bonjour Eric. Je te remercie de m'accueillir sur ton stand. Je vois que tu écris, que tu es plasticienne. Tu fais des tas de choses créatives. Je vais te laisser te présenter. Donc, je suis plasticienne Rhône-Alpes. Je travaille le métal, le plexi, radiographie. Ça s'appelle de l'art brut. Donc, j'expose dans différentes régions, pas forcément en Rhône-Alpes. Ça peut être Lyon, comme Monaco actuellement. Et en parallèle, donc, j'écris. Donc, premier livre, To Be or Not To Be, qui est sorti en 2010. Et le petit dernier, le journal intime de Migal. Donc, j'ai interviewé pendant un an une femme cougar. Et j'ai suivi un petit peu son parcours. Je me suis mis dans la peau du personnage, puisque je parle à la première personne du singulier, je dis « je ». Donc, je suis rentrée dans la peau de Migal, puisque c'est son pseudonyme sur le site internet où elle chassait. D'accord. Et j'ai enfin appris beaucoup de choses concernant la femme cougar. J'ai un petit peu enlevé ce côté tabou et puis cette mauvaise image qu'on a de la femme, mais plutôt dans le côté sentiment. Et puis on est en 2013, il y a une évolution de la femme, il faut accepter que les choses sont différentes. Et ce qui était toléré il y a quelques années pour les hommes de côtoyer des femmes plus jeunes, eh bien on peut admettre que l'inverse soit tout à fait possible, que la femme plus âgée peut avoir des relations avec des hommes plus jeunes. Tout à fait. Et je pense que là, à travers ce livre, tu as voulu parler effectivement de toute la sensibilité de la femme à travers son vécu et aussi bien aller dans son intimité et comment elle vivait ça. Parce que cette femme-là avait quel âge ?
Donc à l'époque, elle avait 66 ans. Actuellement, elle a 2 ans plus, vous savez, 2 ans que je la connais très bien, on est devenue amie. Au départ, c'est une femme meurtrie, blessée, qui se réveille et qui comprend qu'elle peut encore être féminine. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, tout se débloque en elle et elle se débarrasse de tous les carcans religieux. Elle enlève la vieille peau. La vieille peau, et elle accepte de s'épanouir de cette manière. De jouir de la vie. De jouir de la vie et d'être enfin une femme. Tout à fait. Très, très belle histoire. Sur ton autre livre, To Be or Not To Be, c'est différent. C'est une femme, l'héroïne, mais c'est une autre approche. C'est un parcours un peu plus douloureux, mais pas forcément... Il y a une histoire d'amour, hein. C'est une trame de fond, c'est Shakespeare. Donc c'est quand même aussi une histoire d'amour entre deux cousins, donc amour impossible. D'accord. Là, il y a un parcours aussi personnel, hein, parce que je dévoile certaines choses de ma vie aussi. Mais en même temps, c'est aussi sur une autre fiction, des gens que j'ai côtoyés. Donc c'est dans la région un petit peu plus stéphanoise, grenobloise aussi. Hein, on reste toujours dans des faits divers locaux, puisque l'histoire est très difficile. L'immigration, l'histoire d'amour, ces amours impossibles. Et beaucoup de mouvements, beaucoup, beaucoup de mouvements dans la vie de Kalimai, qui est l'héroïne du livre « To be or not to be ». D'accord, là je vois que tu fais une exposition, un vernissage. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc cette exposition aura lieu à Lyon, au mois de décembre, le 12 décembre, vernissage, à Confluence. Alors là, je termine un cycle. Là, c'est plutôt l'art brut, avec métal, plexi, radiographie. Et à partir de 2014, je pars sur un thème et je travaillerai avec André, on a exposé ensemble, sur présence. C'est vraiment présence spirituelle. Mmh. Et aussi avec un photographe professionnel. Donc tous les trois, nous allons parcourir un petit peu la région Rhône-Alpes et présenter cette exposition. Le thème, c'est la foi en général, pas forcément... typique à une religion, mais plutôt de l'individu. La vraie foi, spiritualité personnelle. On va dire que ça correspond un petit peu au Tao, plus oui, un chemin plus de au taoïsme. Voilà, taoïsme. D'accord, tout à fait. Écoute, pour terminer, où c'est qu'on peut se procurer tes livres? Alors, le livre, le journal intime de Migal, à la librairie du lycée à Saint-Marcellin, soit sur le site internet des éditions Mille Plumes, voilà. To be or not to be, ben, par mois, parce qu'il est en rupture de stock, donc D'accord. D'accord. Est-ce que tu aurais un message à donner à la femme de nos jours? Un message à donner concernant... À la femme. À la femme. Et je pense que la femme, elle doit rester ce qu'elle est, c'est-à-dire ne pas se sous-estimer, au contraire de s'ouvrir vers une vie plus moderne, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront en travaillant le personnage Migal, quel que soit l'âge, la femme doit rester féminine et ne plus perturber sa conscience en disant il y a des interdits, il n'y a pas d'interdits dans la vie, les interdits c'est soi-même. D'accord. Et je te souhaite bonne continuation. Merci. Et puis une bonne exposition. Merci. Merci Thérèse. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Donc je vous remercie pour cette belle exposition. Belle exposition qui a demandé un petit peu de préparation, mais où on est très content d'accueillir de véritables artistes, des gens qui font de superbes présentations. La décoration, c'est quelque chose qui transmet une image très positive. Votre livre, que vous présentez, on peut se le procurer où? Parce que ça m'a l'air d'être une somme de recherche, de passion. Tout à fait, c'est une monographie donc sur l'hibiscus. C'est la seule édition qui existe en français. J'ai utilisé et travaillé sur beaucoup de sources américaines et australiennes, voire anglaises, mais en français, en langue française, il n'y a que cet ouvrage. Mais il peut se trouver sur Internet, il suffit de taper « Merveilleux hibiscus », on trouvera des fournisseurs, et j'espère dans toutes les bonnes librairies. D'accord, bah écoutez, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que ça puisse durer encore longtemps. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vous souhaite plein de courage et puis notamment attirer les jeunes dans l'association. Merci. Merci Jean-François, à très bientôt.